Il est aux environs de 19h dimanche dans cette résidence des Abîmes située à deux pas de Benbridge lorsqu'un incendie se déclare dans un des appartements de l'immeuble et il aura fallu du temps aux habitants pour se rendre compte que le feu prenait de l'ampleur à quelques mètres de chez eux. Alertés par les cris des passants, ils ont pu se mettre en sécurité dans la cour intérieure. Quand j'ai entendu descendez, mais des cris assez forts, alors j'ai regardé, j'ai vu quelqu'un qui disait descendez, il y a du feu. Alors là, tout de suite, j'ai éteint ma télé et puis je suis descendue et j'ai vu que les autres locataires ou propriétaires étaient aussi dans la cour. Et il aura fallu l'intervention d'une dizaine de pompiers pour éteindre le feu et empêcher qu'il se propage. Aucune victime n'est à déplorer. La locataire de l'appartement concerné était absente. Ma simple présence sur les lieux a attiré quelques voisins. Ils avaient pour beaucoup envie de dénoncer une certaine vétusté des appartements qui présenterait pour beaucoup un défaut électrique. Ce que je reproche justement à ceux qui louent les appartements et puis le syndic qui s'en occupe, c'est qu'il n'y a pas de normes de sécurité. Je prends par exemple chez moi, j'ai un interrupteur. Quand j'allume la lumière, des fois la lumière s'arrête et puis l'électricité continue à passer. On a une odeur de brûlé dans la maison et c'est seulement un jour par ma présence que j'ai eu cette odeur et que j'ai pu déterminer que ça venait de cet interrupteur. Donc imaginez-vous que quelqu'un qui dort et qui ne dort pas dans le noir avec la lumière allumée, ben, à force que les fils et le plastique se réchauffent, l'incendie peut démarrer de là. Si c'est comme ça dans tous les bâtiments, je pense que c'est dû à ça. Et ça ne peut venir que de la vétusté du système électrique. Et vous venez de l'entendre, pour certains, eh bien, il fallait s'y attendre. Une expertise devrait confirmer ou non le dysfonctionnement électrique sur cette résidence.